Un camp de vagabonds. Ces bâtards tentent de bouger à tous les convois de ravitaillement du coin. À moi les primes. Un autre micro-enregistreur. Note de terrain 1, 4, 6, 3. Ce que vous foutiez ici. Nous sommes sur le site 301. La grotte de lave du coin. Ouais, un injecteur du numéro. Un nom bien ironique. Qu'est-ce qui marche encore? Puisque nous y examinons le reste d'un canisoupis mutant. Les cavaleurs, comme on les appelle par ici. Hé, je voudrais interroger l'un de vous, les mecs. Les mecs? Ouais, vous savez, les gars de la section de recherche. Comment on fait le virus pour, comment dire, sauter? Vous voulez dire, comment il passe d'une espèce à l'autre? Ouais, on l'a vu sur des chats, des chiens, des oiseaux, ces loups. Je croyais pas que c'était possible. Ça... Non, ok, mais pensez à la rage. Tout comme le virus Hooligan, la rage se répand par un contact avec des fluides. La salive, le sang, le sperme. Oh, c'est dégueulasse. Et alors que le virus infecte essentiellement les mammifères, les cultures en laboratoire ont montré qu'il pouvait aussi infecter les oiseaux, les reptiles et même les insectes. Savez-vous combien il existe d'espèces de mammifères dans le monde? Beaucoup, j'imagine. Oui, beaucoup. 5488, pour être exact, suivant à qui vous demandez. Tout cela, chats, lapins, chiens, chevaux, moufettes, opossums, renards, singes, marmottes... Eh oui, les loups peuvent être infectés et transmettre le virus. Ah, vache. Et qu'est-ce que ça signifie? Pour nous, je veux dire. Observez la musculature de ce sujet. Le tubercule supraglénoïdien est gonflé et détendu. Les tubérosités de l'ulna est radiale. Un loup normal? Il pourrait courir entre 50 et 60 km à l'heure. Celui-là, il pourrait atteindre les 100. Et il pourrait mâchouiller un pneu de moto en même temps. Ce que ça signifie, c'est que les loups estimés heureux que la plupart des mammifères sont en extinction. Mieux vaut que ce soit que nous. Allez, fichons le camp d'ici. Et du moment que c'est pas nous... Si je me glisse par là... Dans la milice.
Ouvre la porte. Hey. Rite, suivez la cadence. Oui, sergent. Oui, sergent. Oui, sergent. Capitaine, j'ai trouvé votre type, là, Anderson. Vous aviez raison, il avait toujours son insigne de la milice. Il est mort ? Disons qu'il a eu une altercation avec une meute de loups avant que je lui mette la main dessus. Le genre de mort que méritent les voleurs et les meurtriers. Oui, chef. Merci bien, caporal. Rompez. Ah, caporal Saint-Jean. Ça va ? Je crois pas qu'on se soit déjà vu. Lucas Monroe. Ouais, je viens d'arriver, en fait. Deacon Saint-Jean. Eh ben, n'hésite pas à jeter un œil. J'ai toutes sortes de pièces pour moto, si t'as des crédits. Ok, merci. Tout va comme tu veux. Allez. Allez, on s'active. On s'avance. Oui, sergent. Oui, sergent. Oui, sergent. Sergent. En synchro. Bougez en synchro. On s'active. Oui, sergent. 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 Oh bah, bon choix, honnêtement. Ouais, très bien. Ouais, je te fais ça tout de suite. Et voilà. Caporal, fais attention à toi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Nouveau dans le coin ? Moi, c'est Ava Bergström. Mes amis m'appellent Bergy. Deacon Saint-Jean. Ouais, je viens d'arriver. Eh bien, Deacon Saint-Jean, fais ton boulot et on s'entendra bien tous les deux. Ça te va ? Oui, madame. Oui, chef. Oui, chef. Oui, chef. Oui, chef.
Ça tiendra un moment. D'accord. Caporal Saint John. Caporal, bonjour. D'accord. Salut. Vous êtes nouveau ici? Je suis Rumi Ikeda. Deacon Saint John. C'est toi qui t'occupes des primes, ici? Oui, tout à fait. Tous ceux qui veulent rendre la zone plus sûre sont les bienvenus. Ok, cool. Je vois. On s'active, sergent. Caporal, bonne chance à vous. Sergent Ikeda. Caporal Saint John. C'est vraiment. Hé, caporal. Qu'est-ce que je peux faire? Bouge pas, je m'en charge. Caporal Saint John. Wade Taylor pour Deacon Saint John. Oh, Taylor, j'entends une moto. Me dis pas que t'es dans le No Man's Land en train de suivre ton trafic de drogue. Ok, ok. Je te le dis pas. Mais si, si. Putain de merde, Taylor. Tu vas te faire buter. Mais non, t'inquiète. Dis-moi, j'ai suivi un groupe sur l'autoroute, là. Autoroute 97? Non, c'était pendant la journée, il faisait beau, j'ai pas bu un seul moment. Et il y avait ce groupe de mecs, ils se sont arrêtés dans un gîte de montagne. Tu savais qu'il y avait un gîte dans le coin, toi? Moi, pas du tout. Taylor. C'est vachement bien là-bas. Si jamais je décide de changer d'horizon, c'est là que j'irai. Oh merde, il faut que je te laisse. Il s'arrête dans un autre camp. Terminé. Taylor. Non, Weaver, vous êtes là? Je suis à la mine. Parfait. Bon, j'étais à un œil. D'après le rapport que j'ai lu, il y avait des kits de test de minerais. Il vous en faudra un. Un kit de test de minerais. Bien compris. Le cinabre est rougeâtre, mais pas brillant. Il aura l'air terne. Vous pourrez pas le rater. Testez le minerai. Il doit être pur à 60% minimum. Ok, compris. Un kit de test. Où est-ce que je vais pouvoir trouver un kit de test de minerai? Peut-être dans une de ces remises. Non, rien ici. Et voilà, un kit de test.
connaissance. Ok, qu'est-ce qu'il a dit déjà? Une pierre rouge terne. Du cinabre, nickel. Allez, montre-moi à quel point t'es pur. Ok, nickel. C'était le dernier. On va voir si la pompe marche encore. Réservoir vide. Mais oui, ça m'a étonné. Et voilà, du cinabre. Allez. Ouais, ça fera l'affaire. J'ai besoin de plus de cinabre. Encore du cinabre, super. C'est cool. Bon, passons au test. Ouais, c'est bon pour celui-là. Ouais, encore un tout petit peu. Faire quelque chose. Du cinabre, ouais.
test. C'est bon. Allez, encore un ou deux échantillons. Du cinabre, super, c'est cool. Voyons voir son pourcentage de pureté. Cool, ça va marcher. Allez, plus qu'un. Et voilà, du cinabre. Ouais, il est juste assez pur. Une cage d'ascenseur. Oh la vache, je me demande où ça mène. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Un autre tunnel. On dirait que celui-ci a été abandonné il y a un bon bout de temps. Weaver, ici Saint John. Et le cinabre que vous avez demandé. Saint John, parfait, parfait. Je suis presque prêt. Une seconde. Je peux vous aider, lieutenant? Weaver, j'ai plus d'alcool isopropylique. Il vous en reste? Ouais, j'ai une bouteille de vodka dans ma tente. Passez tout à l'heure. Vous abandonnez jamais. Allez, détendez-vous un peu. Allez vous faire foutre. Saint John, désolé pour ça. Bref, déposez le minerai dès que vous pourrez. J'ai d'autres ingrédients à vous faire chercher. Terminé. Ouais, carrément. Caporal Saint John. Wait Taylor pour Deacon Saint John. Oh, Taylor, j'entends une moto. Me dis pas que t'es dans le No Man's Land en train de suivre ton trafic de drogue. Ok, ok. Je te le dis pas. Mais si, si. Putain de merde, Taylor. Tu vas te faire buter. Ah non, t'inquiète. Dis-moi, j'ai suivi un groupe sur l'autoroute, là. Autoroute 97? Non, c'était...
C'était pendant la journée, il faisait beau, j'ai pas vu un seul mutant. Et il y avait ce groupe de mecs, ils se sont arrêtés dans un gîte de montagne. Vous savez qu'il y avait un gîte dans le coin, toi ? Moi, pas du tout. Taylor ! C'est vachement bien là-bas ! Si jamais je décide de changer d'horizon, c'est là que j'irai. Oh merde, il faut que je te laisse. Il s'arrête dans un autre camp. Terminé ! Taylor ! Taylor, oh putain, il va se faire tuer, ce crétin. Deacon St. John pour le capitaine Corey. St. John pour Corey, répondez. St. John, je viens de parler au colonel. Il vous a affecté à la division de recherche. Capitaine, la division de recherche... J'imagine qu'on peut l'appeler comme ça. J'aide les lieutenants Weaver et Whittaker. Excellent. Ils ont bien besoin de votre aide. Je vois pas trop en quoi. Je fais juste office de coursier pour le moment. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous appelle. Le lieutenant Whittaker m'a donné un formulaire de réquisition pour de la levure. De la levure ? Attendez une seconde. On a des patrouilles en mission de ravitaillement dans toute la région. Ils notent quand ils tombent sur des objets intéressants. Ouais, voilà. Ils ont repéré de la levure et d'autres ingrédients dans les cuisines du centre pour visiteurs de Crater Lake. Vous voyez où c'est ? Ouais, je vais trouver. Bonne chance, caporal. Terminé. On est venu de Californie, l'autoroute 97, pour qu'elle soit... impraticable, on va dire. Ouais. Lieutenant ? Non, mec, vous pouvez laisser ça à la porte. Non. Non, je parlais du protocole militaire. Ah. Ok. Je crois que j'ai ce que vous cherchiez. Ok, ouais. Ouais, c'est super. Attendez une seconde. Tenez. Polystyrène. Ouais, vous savez, des trucs qui servaient à fabriquer des gobelets ou en sachet des cacahuètes, vous voyez ? Ouais, je vois. Comment ça s'est passé ? Avec la sorcière de Wizard Island ? Avec le lieutenant Whittaker ? Wow. Je croyais qu'on avait dit d'oublier le protocole de minute. Ce sera tout, caporal. Ce sera tout.